Ok, alors, pour cette dernière partie, on va commencer. Malheureusement, j'ai trop avancé rapidement dans le jeu, ce qui fait que j'ai vraiment pas de cartes fortes. Donc là, mon objectif, ça va être de réunir les meilleures cartes possibles pour finir l'histoire très facilement. Le seul bémol, c'est que je dois affronter un dueliste en particulier déjà pour commencer, histoire d'avoir vraiment des bonnes cartes. Et bah, comme j'ai pas les meilleures cartes, je suis dans un cercle vicieux. Parce que j'ai pas les bonnes cartes, je vais avoir du mal à le battre. Et comme je vais avoir du mal à le battre, il va me pulvériser et je vais pas avoir les meilleures cartes. Il faut du A ou du S Pau pour espérer avoir les meilleures cartes. Mais bon, déjà il faut que je le débloque, donc on part sur un tryhard bien plus difficile. Dans le temple prairie, on va rencontrer mon meilleur ami, mon ami le mage. Qui? Quoi? Prince Ori? Je suis surpris que tu sois arrivé si loin. Dommage, tu ne partiras jamais d'ici vivant. C'est le temple le plus difficile en plus. Mais on verra ça beaucoup plus tard. Alors, il y a des astuces pour le battre, mais il me faut absolument pas utiliser les cartes magiques ou pièges. Là, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est débarrasser de ça, du coup. Ah oui, c'est un guerrier en plus. Oh, Mercure! 2100 points de défense. Ah bien qu'il joue la carte mutée. Même pas, pas très bien. Ah bah alors là. Donc voilà. Chaque mage va avoir une spécialité. Et lui c'est la. C'est la prairie. La fameuse prairie. Là mon objectif ça va être clairement de. Oh c'est vrai. Donc j'ai fait numéro 2. Ça passe? Il est bon. Là, on est très bon. C'est ta carte, c'est une 2500 points de défense. Enfin, c'est une 1009. La meilleure carte, c'est une 2002 points d'attaque, mais il a une particularité qui pourrait le faire. Il le fait pas, alors on est bien. Très bien. Il est sorti de prospérité. Du coup, il perd des dégâts. 8, je mets soleil. En plus, j'ai pouvoir l'humilier. Ça sort d'épée une 2000 points d'attaque et boosté par la prairie. Donc la prairie augmente les bêtes guerriers et les guerriers. Et peut-être d'autres trucs, mais je sais pas. Là, il va essayer de me défoncer. 8. Là, il peut avec une 3. Ah non. À 7004, donc j'ai encore ce qu'il faut pour avoir du espoir au début. Ah, il faut que je montre aussi quoi ressemble à la TNT. Donc on va montrer le magnifique terrain de la prairie avec elle, non avec lui, pardon. Comme ça. On va voir le dragon éclair à deux têtes en plus. Ouais, la prairie ça ressemble à ça. Un trou avec une arène quoi. Un terrain de baseball. Alors que vous voudriez savoir, les monstres ont deux attaques. Ça dépend de quelle affiliation vous lui avez mis. Donc en mode éclair, soit il donne un coup de corne et façon lune, il fait autre chose. Je l'ai humilié. J'ai pas perdu trop de PV, aucune carte magique au piège n'a été détruite parce qu'il est resté équipé au monstre.
le bourreau espoir des familles. Du premier coup, attention. Elle peut mystique. Ok, on commence par une demi-point de défense. Ah, il m'a mis un bépo, le... L'enfoiré. Non, je l'ai défoncé. Henri, tu regretteras cette victoire. Car tu vas devoir affronter la puissance de l'archimage Kepura. Retourner, pas continuer. Et là, je vais faire une grosse sauvegarde et là, on va partir sur quelques épisodes. On va le tryhard, on va le pulvériser, le défoncer, l'exploser, le tuer, quoi. Donc, ça va me permettre pas mal de choses. Hein. Le farmer comme un porc va me permettre, un, d'avoir les meilleures cartes du jeu. Lui me donne les meilleures cartes du jeu. Enfin, les cartes dont j'ai besoin pour finir le jeu, en tout cas. Et de deux, ça va me permettre de farmer des étoiles. Il m'en faut au moins 2400. Parce que je joue pas avec l'astuce de la fusion. Mais je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que on arrive à un passage et je vais finir le jeu rapidement. Voilà. Donc on va résumer un peu la situation. Donc les cases bleues, chapitre 1. Les cases rouges, chapitre 2. Tout le tournoi. On arrive au chapitre 3 avec les cases vertes. Donc, on a Jono deuxième, on a Taena deuxième. Là on va avoir toujours un mage, un archimage, un mage, un archimage. Troisième, quatrième et cinquième. Ensuite on va avoir un dueliste, même deux duelistes particuliers ici et là. Et après on arrive au dernier chapitre. Voilà, le jeu est très court. Mais la difficulté augmente très très vite. Donc attendez-vous à du gros tryhard dessus. Il y a plein de bonnes cartes. Ouais. Alors c'est un duelist qui a du mal avec les terrains neutres. Donc il va directement partir sur un gros terrain duelist. On va commencer à lui faire quelques dégâts. Premier effet qu'il va faire, c'est hop, terrain. Ugu. Tu triches. Tu as triché. T'as pas le droit de faire ça. Il a le droit de faire ça. Non, il a pas le droit de faire ça. Ah, je vais perdre. Double jeu. Putain. J'ai perdu. J'ai 4 amis. Je vous ai dit que j'avais 4 dragons. Ouais, ben le jeu il a pas l'air de se rater. Mais... Non. Oh, ça se casse. Je veux pas perdre. Réponds. J'ai perdu, j'ai surperdu. Ils sont mis deux en moins. Parce quoi là, j'ai mis 3 pour... Y'a rien pour contrer. Ah, peut-être Mercure. Oh, t'as soleil. J'ai perdu contre les mages de la prairie. On devait le libre. Mais j'ai fait humilier. Il n'a pas fait ce que je voulais. Mais c'est quoi ce jeu bugué? On est en duel libre. La particularité du duel libre, c'est que ma défaite ne signifie pas game over. Par contre, dans le panel, j'ai un gros truc rouge dégueulasse d'une défaite. Oups! On veut aborcher. Je l'humilie dans son propre terrain. Il m'humilie sur dans mon propre terrain. Il est pas censé me marrer ma gueule là. C'est pas dans le plan.
Le plan, c'est qu'il me laissait souffler au début. C'est pour ça que je jouais n'importe comment. Comme je disais, j'ai la poisse. Hein, parfois. Ah, vous voyez, alors là... Alors là... Là, je lui fais payer au centre. On est d'ailleurs que je rajoute quelques guerriers, etc. J'ai fait le con. Pas de lune. Toujours l'éclair. Toujours l'éclair. Parce que la lune, ça... ça fait mal après. Je sors la grosse au... Ça va bien. Au... l'écro. Pas trop. C'est l'île. C'est une mercure. Donc là il a déjà mis de life. Et là faut que je prie qu'il sort aucune des deux cartes qui pourrait me casser les couilles. Voilà, je vous aime que ça. Dans la grosse quand même. Je sors pas la, la saloperie. Voilà la grosse. Même pas une mini-lui. Avec une 2300. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu es léger. Ok, il me reste plus beaucoup de PV, j'ai de quoi l'achever, tout va bien. Par contre, je vais peut-être mettre la chasseuse de tête, elle passe à 2100. Oh, point fait. J'ai pas perdu beaucoup de PV, mais j'ai eu rambé à cause de ça. Ouais, qu'est-ce qu'on va avoir? Une bonne carte. Le dragon Kumori, très bien. Un dragon. Moi, ça me plaît. C'est quoi sa sauvegarde? Direct, on réfléchit pas. Ok, construction de deck. On va modifier 2-3 trucs. On va commencer vraiment à faire du tri. Les dauphins blancs ne servent plus à rien. Ils ovulent beaucoup trop faible. On va mettre la belle chasseuse de tête et le dragon Kumori qui est un dragon à 1500. Pour l'instant, on est encore au petit dragon. Mais c'est toujours un dragon de plus. Ça va me permettre d'augmenter mes chances d'avoir un dragon éclair de tête. Moi, ça me dérange pas. On continue. Non, c'est pas les meilleures cartes. Mais faut de la luck après. Ça peut durer 2 heures, 3 heures. On est parti pour quelques séances, hein, comme ça. Je suis désolé d'avance, mais à partir de maintenant, ça peut être chiant. On est à 1-0, vous avez vu. 2-1 pour rien. Là, je sors. Mec, une demi... Ah non, c'est clair. Ne vous inquiétez pas, regardez. Hop, Riri. Ça, c'est ce qu'il était censé faire. Ne pas me défoncer avec des juges. Là, j'ai exactement tout ce qu'il ne faut pas. Rien du tout. Humilié en lui faisant 2000 points de dégâts, boum. Et maintenant il va m'humilier en me faisant 2300 points de dégâts. Où il est... Ok, bon, c'est la partie salaud. Ok, bon, comment expliquer? Là je suis obligé d'attendre... Là je suis obligé d'attendre. On attend. On attend le magnifique trou noir. Le trou noir des familles, je ne passe plus. Absolument plus. Voilà. Je peux passer après avec la 2005, pas de problème, mais je ne passe plus du tout après.
là, je vais m'amuser à faire la fusion parce que le but du jeu, c'est quand même de lui enlever des TV. Donc, on va jouer à ce petit jeu du te tape, tu tapes. Ouais, je joue pas. Donc là on va l'affaiblir. Le but c'est qu'il sorte des 2003 parce que j'ai une belle chasseuse de tête qui peut faire des dégâts. Ah par contre ouais, si tu commences à sortir avec toi, ça va pas finir. Ouais, on a une tente. On va partir avec toi. Attention, il peut être très dangereux. Tout va bien. 2050-2003, mais ça me fait. Ça va me dire que c'est la dernière carte. Il faut se calmer. Hein. TV, hein, 750. Voilà comment il fallait battre Yami Bakura en mode destruction. Là il va pas faire fusion, il a que des grosses cartes. Là qui nous guerrière. Je ne passe toujours pas le monstre. Je peux pas le passer avec. On les met en mode défense tranquillement et on va lui faire des dégâts. C'est pour ça que je préférais avoir en début l'éclair plutôt que le noir parce que là je suis bloqué. Je peux pas utiliser le noir. Une carte face cachée. Non, ça sert beaucoup de cartes face cachées. J'ai chopé mon trou noir, mais j'ai pas de carte derrière qui pourrait faire quelque chose. Ça sera 17 cartes. J'ai encore plein de dragons, j'en ai chopé qu'un peu. Donc là il va me faire des dégâts, c'est logique. Ah, bizarre ça pousse. J'ai mis un peu, non. Et ça commence. On va déjà faire les couilles, donc. 1850 à gérer, et je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne la passe absolument pas. Sinon... On va viser cette carte à gérer. Oh, fusion! Une 2003 maintenant. Même c'est des attaques. Hein. Et une Lumili. Très bien. J'adore. Un dragon? Non? Bon, va te faire foutre. Bisous. Bisous, bisous. Une femme. Une 2004. Uranus. Je refuse de prendre. Je passe avec elle. Ouais, 12 cartes, à partir de maintenant. Ça passe très bien. Ça me dérange pas d'avoir d'avoir le rang tech, le rang tech nous permet d'avoir des cartes magiques. Mais le match de training, ça ne me donne pas grand chose de sympa. Juste après de l'équipement en guerrier. Il me faudrait de l'équipement en guerrier de long. Ouais, yes. Okay. Il reste 9, il reste 1600. Il n'y a pas le pouvoir qui permet d'unir les deux fers, les deux guerriers là, mais ils n'ont pas d'effet. Hein. Ils n'ont pas de boost de puissance quand les deux sont montés. Ils n'existent pas. Et nous avons le détect avec un contrôle météo, très bien. On va compter une étoile. Ça peut passer outre. Et c'est le passage, voilà. Donc là je résume, hein. J'ai trois jeux. Donc Diablo,
Final Fantasy VII et Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Les trois jeux, c'est que du farming. Mon stream va être d'une passion, je ne sais pas savoir. Quelle passion. On va se marrer. J'ai deux tours pour venir avec un truc. Ah non, mais il me refait le coup. Non. Alors là, je refuse. Ah non. Ah non, regardez le bouclier. Non. Diminue. Et non, donne-moi les... Donne-moi un putain... Quel jeu de merde. Donne-moi ce que je veux. Oh. Oh. Je peux pas l'avoir. Il m'humilie. Il m'humilie uniquement quand il joue pas pour le lit. Je peux même pas le passer le saludo. La 2100 je la passe pas. La 1008 ça y est je la passe. Passe pas l'autre. Jupiter. Je me débarrasse de celui-là. T'as fini de m'humilier. J'ai même 27 cartes pour trouver un éclair. Elle dure pas tous en plus. Il m'a sorti une carte à 400 quand même. Protecteur. J'ai peur. Non, stop. Là, je suis bon. Casse-toi. J'aurais pu l'humilier un peu plus en attaquant les attaques de ah. Ah mais ça c'est chiant. Ah c'est pas fou ça. C'est pas moi. Je peux faire les épées de lumière. Ouais, ils ont fait. Oh le dragon et Yamamoto. Voilà c'est ça le problème, c'est que je suis obligé d'attendre que les deux épées s'arrêtent. Très bien. Je te préviens. Oui. Vas-y je vais le faire. Ouais. Ah oui, c'est important. Garfier, c'est Dragon. Allez, tout le monde enlève. Ouais. Non. Avec cette carte, j'en profite. La double. Double Dragon éclair à deux têtes. On s'amuse. Le guerrier bœuf, ça veut dire qu'il a vraiment aidé ça. Pardon, je défonce. Je le défonce. C'est un petit peu long. Donc alors bon, détecte-le. Ouais, le petit vague. Il peut plus avoir. Ah, le centaure féroce, c'est une fusion. Fusion. En plus, c'est arrivé. Je crois qu'il est un petit peu beaucoup mort là. 2800, regardez.
Soif 2008. Une autre 2008. L'épée m'a empêché de jouer, c'est dégueulasse. Fungan. Fungan, très bien. Oh putain. Vachement. C'est le plus hard, une fois que j'ai la première carte, ça va commencer à aller beaucoup mieux. Là pour l'instant je suis bloqué. Il suffit d'une carte et c'est bon. On va faire ça bien. Là, au cas où j'ai le dragon éclair à deux têtes derrière, ça passe. Et là, s'il fait prairie par exemple, je suis pas bien. Ou s'il fait juge, je suis pas bien. S'il fait ça, il me casse les couilles. Déjà dès le début, je sais qu'il va me casser les couilles. Donc maintenant, je vais vous montrer le problème. Voilà le problème. Je ne peux pas passer ça. Il y a un cas particulier où je peux passer ça, il me faudrait les coups. Là pour l'instant il part sur une première qui est plus basique. Là il a parti sur le juge. Le carte qui peut pas tourner dans la base. Donc maintenant il va falloir l'écro plus le tout vrai. Et sinon je pars sur son noir. Là ben, en attendant, ben, je m'en fous. C'est con, je viens de mettre une machine. Lui aussi il joue trop noir un petit peu. Malheureusement c'est la meilleure méthode que j'ai, c'est de battre un petit peu, je sais pas trop. J'ai oublié de lui montrer la carte pour qu'il attaque. Comme ça. Hop, j'ai perdu le SP. En PV. Ça sert à rien de l'allumer en mode pigeon, hein. C'est un truc, c'est casse. Donc j'ai chopé mon trou noir. La question maintenant c'est de savoir si j'ai ce qu'il faut derrière. Mais non, je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi non plus. On continue tranquillement. Il n'a pas encore joué la prairie. Maintenant, c'est pas une grande menace. Match de la prairie. Vous noterez aussi que l'équipement de l'épée de lumière a montré une grosse animation d'épée vers le haut. Il n'y a que deux équipements qui sont comme ça. Je crois que le reste sont des équipements clés. Ok, j'ai les crocs, pas de problème dessus. Il ne manque vraiment qu'une seule pierre. Là j'ai vraiment plus besoin du trou noir, il faut juste le dragon. Je vais l'oublier du coup. Ça va au PV. Ah, c'est que je perds l'usure. 28 cartes, moi 23.
Ok. Ouais. Continue. Et sans PV par sans PV, c'est trop bien. Et le combat épique. Super bon. Et 5 dragons. Voilà. Non, non, non. Et surtout que je me trompe pas, je joue la lune. Et je vais vous montrer d'ailleurs l'attaque de la lune. Parce qu'on l'a vu donner un coup de corps, mais je vais vous montrer l'autre attaque. Bien sûr. Hop, ça dégage. La deuxième attaque. Alors c'est censé être le contraire normalement. Ils ont mis le coup de corde pour l'éclair, ils ont mis l'attaque éclair pour la filiation. J'aurais dû vous montrer le mur du lame. Je vous montrerai quand j'aurai l'occasion, c'est un monstre dégueu. Le mur du labyrinthe est spécial quand même. Vas-y, de jouer la poirie. Ah putain. C'est parti, rush. Normalement, c'est pas censé être... Carbonara, ça y est, on arrive vraiment à des monstres faibles. Bon, pas si faible que ça, parce que j'ai quand même... Ironique. Je sais pas, je te pose. Le marionnette mystérieux, d'accord. Spectre des ténèbres. Par contre, j'aime pas, je gagne qu'une étoile par une étoile. Avec la 4 victoires. Demain, on y est encore. Hein. Après, s'il est sympa, il pourrait me donner les cartouches du crédit. J'ai besoin que d'une carte. Après, il me faudrait un x3, mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ok, rien. Chevalier ! Oh, énorme ! Prairie ! Il a boosté mon monstre. Ah, ça c'est beau ça. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Surtout quoi. C'est une 1100, je n'ouvre pas. Ok, c'est parti. Apao. 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 Apao, mais... C'est un jeu pas très sympa. Ou pas.
Allez, reste plus 6. J'ai 200 PV, on est 4, ouais, on se retrouve là. Normalement. Ça aurait été une bête, j'aurais pu l'humilier. Dommage. Allez, je le sens, allez. Allez, c'est jouable là. Là, tu peux me donner une bonne carte. Allez, fais-moi plaisir. Allez, à 30 minutes de la fin. Vas-y. Pop. Malédiction du dragon. C'est encore un dragon. Bon, bah, j'ai beaucoup trop de dragons. Il va falloir du tonnerre maintenant. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. C'est mon premier... Ah oui, mais merde, je suis con. Oh, c'est une bonne carte, ça, en plus. Ça, c'est bon. Ça, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau. Donc, un dragon qui a plus de 1500... Enfin, qui a plus de 1000... Enfin, qui a 1600 points d'attaque ou plus, ça me permet d'avoir un monstre nécessaire en moins pour pouvoir faire la fusion ultime. Donc, on a déjà la malédiction. Il peut me donner Gaïa. Mais oui, il peut me donner plein de trucs de genre. Donc, moi, tout de suite, je réfléchis pas. Je réfléchis pas. On réfléchit, les cartes aussi. J'ai envie de me débarrasser. Les roches, je vais les garder. Qu'est-ce que j'ai entré? Les dragons, on n'en a jamais assez. Les bêtes, je crois. Et les télés, on en a que deux et... Pour le peu d'occas que j'ai, ouais, je vais enlever les pyros plus. Vas-y, bras. Je vais enlever la pyro, là aussi. Débarrasser la pyro. Déjà, une première carte qui est pas dégueu. Une double sauvegarde, pour être sûr. Ok, c'est une bonne carte. Merci mon ami. Mon copain. Et de une. C'est une citrouille. Là, sur un malentendu, je peux le battre. J'ai rien dit. Oh non, sur un malentendu. Oh. Oh. Oh là là. Oh, c'est l'humiliation. Oh là là, il a qu'une 1008. Ok, c'est bon. Humiliation, allez, c'est jouable. Attention, une 1008 ou une 2002 pour m'emmerder. Oh non! Oh non! Ça ne m'enlève pas beaucoup de PV. Ça sent le Vespo. Ah, quoi que. Putain, y'a un dino, il faut que je me débarrasse du dino là. Dino, c'est moche. C'est très moche, ne faites pas ça chez vous. Ok, encore un tour et il a perdu. Perdu un peu de PV. Oh non, 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 non. Non, s'il te plaît, pas ça. On va pas faire ça quand même. Donc. Tout va bien. Je l'ai désingué. Mmh, allez, enchaîner les bonnes cartes, allez. Allez.
La deuxième. Lucan Hercule. C'est pas une carte dégueu, mais c'est un insecte. Je sens que c'est un insecte. Je vais vérifier. Désolé de vérifier comme ça, mais... 1009 en plus. Un insecte à 1900 points d'attaque. Il va pas trop m'aider, c'est juste que je vais remplacer un petit jumeau pourri par cette carte. Ok. Et ça marche. Dino, Dino, Dino. Ça va. Oh, mais Dino. Un qui va être bien caché. Ah, j'en ai. Deux. Ça va pas trop m'aider ça. Oui, il avance. Ça me permet d'affronter d'autres duellistes à la limite. Au cas où j'ai pas de fusion possible, mais... carte un peu dégueu quand même. Wow. Ça c'est ce qui s'appelle une... En plus c'est une carte d'équipement. J'ai du bien de faire un dragon clair de tout comme ça. Attention, un seul move pourri et c'est fini. Attention, attention. Oh oui. Oh oui, c'est bon. J'ai perdu par contre un équipement. Ok. Je pense que c'est la meilleure carte. Alors est-ce que j'ai assez? 4, 8, ouais, 7. Ah non, c'est pas bon, 2900, j'avais cru que j'avais 2008. Ah. Ah non, c'est en resto. On a détruit deux cartes, bon bah c'est sûr là j'ai plus le Espo, je vais avoir du Bepo, je vais me dire. C'est pas grave. Moi j'aime bien quand il joue comme ça, ça me permet de rusher tranquillement, gagner quelques étoiles. Là je suis bien. Le requin des profondeurs, c'est bien. Très bien, on a une 2100 points d'attaque avec nous. Je sais pas si les crocs ça fonctionne. C'est bien le requin que je pense. Hein. Le requin que j'avais quasiment du mal à l'avoir. Hein. Je crois que... Ah non, c'est pas ce que je pensais. Ah c'est celui-là, ah d'accord. Ok, j'ai rien. Un poisson. Merci Einstein. Poisson. C'est pas les cartes que je... Mais bon, faut en gagner plein des duels contre lui, surtout en Espo. Faut pas l'avoir en B, faut l'avoir en S. Et bon, plus je le combat, plus vous voyez que les cartes sont puissantes. Hein. Pas des cartes pourries. Encore des millions. Je vais partir là-dessus. Ah oui, très fort. Ah non. Non, c'est bon. Ouh là là. C'est dangereux ça, c'est fait.
le jus qui tombe. Il fait pleine maintenant. Ah non, je suis la dernière, c'est à quel autre terme oui. Ah oui, une 2000. Brave. C'est mieux. Ah, j'ai que des bêtes. Ah, c'est le jeu. Je m'y attendais pas du tout. C'est une fusion particulière ça, avec le mouton antique que j'obtiens au mouton de on en apprend encore hein. Ah la fusion, un juge. On a joué. Ouais, deux tours. Ah ça me dégoûte. Parce que je veux. La 1850 normalement. Ouais, ça devrait bien se passer. Maintenant au prochain tour il est mort. Là. Oh là là. Oh non j'ai ça. Ah, je vais garder mon pied au bout. Attention, attention, Bepo, un dragon, très bien, encore un dragon, a commencé vraiment à la jouer strat. Hein. On est sur une 1005. Donc débarrasser de zombies déjà. Débarrasser des bêtes télé, je peux pas faire ça. On va en passer par les deux dernières. On est bon là. Ok, je joue pas bouclier millénaire, moi ça me dérange pas. Par contre, on va aller sur le dernier duel de cette soirée. Ouais, on a fait une bonne soirée tryhard là. Ah, c'est le problème. Il me manque un éclair, je commence à manquer d'éclair. Par Neptune. Ah putain la prairie. Non. Non. Putain il me donne rien en plus. Saloperie. Il était 2100. Plusieurs éclairs dans mon deck. Alors c'est une 2003, 2004. Je peux la faire la fille. Je vais mieux la faire maintenant. Là. Là l'objectif ça va être clairement de chercher. Une question de temps avant que ça passe. Et là je peux pas passer la télé numéro 2. Lui s'il est dangereux, il est dangereux.
Après, 2007. J'ai 100 vies de dégâts. J'ai un trou noir, mais ça sert à rien. Pas gâché un trou noir. Juste le fait que j'ai pas d'éclair, c'est toi. C'est pas très grave dans le sens où je dois farmer les étoiles à rien. Parce qu'ils en farment que deux ou trois par, par du S. Voilà, je n'aurais pas du tout le espoir. Faut pas espérer. Ouais. Merde! Quoi ça sert? Rien du tout. La souris. Oh, ça va, yes, c'est que bêche. Et des cartes, ça. C'est une des premières que j'ai mis quand j'ai commencé à jouer à l'île. Imaginez. Waouh! Même pas qu'il avait ça. Non, il est curieux. Et du coup de télé, ok. Ouh, c'est bien. C'est 1002-1003 quoi. Humiliation. Et pour ce dernier duel, un petit équipement. Oh, c'est très bien. C'est Pau. Non, j'ai gagné. Allez, la prairie. C'est pas ta dernière carte, mon frère. Je vais pas le mettre tout de suite. 10 victoires contre lui en comptant celui... Tiens. Ça me permet de voir quand même... 51 étoiles, on est loin. Il en faut 800. Au moins 800. Donc vous avez compris qu'à partir de maintenant, bah, pendant très longtemps, j'ai commencé à trahir le jeu là-dessus. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 jeux à farmer. Donc j'ai Diablo, j'ai Final Fantasy VII, et j'ai ça. Donc faut que je fasse un choix, je peux pas me permettre de tryhard les 3 jeux en même temps. C'est pas possible. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, bah, on va tryhard ce jeu, en live. Le mercredi, je vais tryhard Diablo, en live. Donc ça va être encore une séance... Rush. Et pour samedi, je tryhard hors stream Final Fantasy VII. Que j'ai déjà bien tryhard, hein, j'ai changé un petit peu, donc ce qui fait que je vais pouvoir tryhard le dernier boss. Ça peut être une séance extrêmement rapide le samedi. Donc du coup, je vais pouvoir tryhard d'autres choses, je vais pouvoir tryhard du Diablo en attendant, etc. C'est pour ça que je vais tryhard surtout Final Fantasy VII. Voilà, sur ce, du coup, comme j'ai dit, on se retrouve mercredi pour du Diablo 3. On se retrouve samedi pour la suite et la fin, c'est sûr, de Final Fantasy VII. Et on se retrouve lundi prochain pour le tryhard de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, dans lequel je vais essayer de m'équiper et de me stuffer du meilleur deck possible, en mode quasi speedrun, même si, pour l'instant, j'ai du mal à battre le match de la prairie en S-Pow. Voilà, sur ce, moi, je vous dis bonne nuit plus. Ciao, c'est Jean.